On est obligé avec des tracteurs d'amener avec des tonneaux, l'eau. Il n'y a aucun ancien qui a vu ça depuis je ne sais pas combien d'années, quoi. Donc on a une sécheresse qui dure depuis l'année dernière, en fait. On n'a vraiment pas eu d'eau tout l'hiver, depuis le. Allez, on va dire depuis septembre, octobre, il n'y a vraiment pas eu d'eau. Ce que je demande, c'est qu'ils arrêtent de pomper là et qu'ils aillent pomper là-haut. Il y a déjà des gens qui viennent remplir le tonneau à eau pour l'abreuvage des animaux. Parce que c'est bien beau de penser aux céréales, de penser à tout, mais il faut penser aux animaux maintenant. Voilà, parce que comme je dis toujours, l'eau c'est la vie. S'il n'y a pas d'eau, c'est fini. Donc, là, eh ben, actuellement, moi j'ai vu trouver une solution que j'ai vue avec le maire de Charbonnières-les-Vieilles. C'est que les gens qui habitent en amont du barrage de la Cèpe puissent venir à cet endroit même pour récupérer de l'eau pour pouvoir abreuver leurs animaux. Parce que tout de suite, la morge, on est en zone d'étiage, mais on est 5 fois en dessous du seuil minimum.